pays Yabere, sortez. Venez. Vous connaissez la tante qui s'appelle la Kuba Angola ou bien la Kula Angola là. Elle là. C'est elle qui gère toutes les choses. C'est propriétaire que j'ai. C'est propriétaire de Dabali Espoir. Dabali Espoir, là, on fait les foutous, les bananes, les placalus, les... tout ce que tu veux, les crabes, les clous. En tout cas, c'est un peu notre McDonald's préféré, chou, non? Donc, elle, elle était là, tranquille, pépère, comme un dimanche. Voilà, dimanche, nous, on prend pour laver à bille. Voilà, elle, dimanche, qu'elle s'élève. Oh my God! Dieu merci, je suis réveillée. Elle regarde le ciel, elle dit, wouh! Un bon soleil se présente, se présage. Elle monta dans sa voiture, fifi, à cinéma, fia, en train de siroter les champagnes, les manger, les, vous connaissez les petits manger. Et la plage, tout ça. Et oh. Et Béret n'est pas bon. Béret is not good. Mais Béret is life. Et quand il y a, elle m'étouffait dans Béret. Donc, hey, Seigneur. Quand est-ce que même nous aussi, tu as, on pourrait aller faire dimanche à Sini Mafia? Hey, on peut faire ça. Seigneur, il faut vite te dépêcher. Le jet, on a besoin aussi de jet. Donc, comme je disais, elle était là-bas. Un coup, elle voit des publications que quelqu'un l'a tagué. Mon cher, c'est un gars là, Kouen Dosso Aziza. Bon, mettre comme ça. Le gars là, je vais vous parler de lui après. Pipi, il a pris son téléphone. Dabali Express, à Koulangoula. J'ai commandé Tchep. Ça, c'est Tchep. Il faut savoir qu'il était là le même dimanche. Pendant que Tanti était à Ciné Mafia, lui, il était là. Ah, il est célibataire. Il est là, il a faim. Il a faim. Il dit, hey, qu'est-ce que je peux manger, Seigneur? Il a vu les belles photos sur, il ne sait pas si c'est Glovo ou quoi. Il dit, il a commandé, qu'on dit Tchep rouge avec poisson. En tout cas, c'est bien présenté. Donc, il prie. Ce qu'on lui a envoyé là, à même 10 grammes même de cantine, 500 francs qu'on nous donnait à l'école, ça ne vaut pas ça. Ah, il faut ça. Non, moi je ne peux pas m'amuser à mon ventre. Hein, voyez, on dit c'est ce qui est dans ton ventre qui est pour toi. Donc il dit non, je dois leur dire les deux mots de même famille, ces gens de Dabali Express. Même si on dit que c'est Express, qu'on est pressé, on veut manger pressé, c'est pas à cause ça vous allez venir nous servir des choses comme ça. Donc il t'a tanti, quand j'ai commandé Tchep, ça c'est Tchep. Paye à 6000 francs. Ça, c'est Rigra ou c'est Tchep. Et puis, il insiste sur l'affaire de Tchep là, ou bien Rigra là. J'arrive dans vos restaurants là-bas. Vous allez soit me donner mon Tchep ou rembourser mon argent. Merci. Ah, ouais, photo aussi là. Tonton, tu as un peu raison. Donc, quand il a fait ça, tonton, elle a vu. Elle a vu sa publication. Elle dit, mais c'est quel ingrédient ça encore qui vient me fatiguer pendant que je suis, mes pieds même sont dans le sable fin d'Assiné Mafia. Elle commentait, elle dit, je ne peux pas le laisser. Et on, bah, sur les réseaux sociaux aussi, là, chaque homme, ils ont petit internet, leur passe sociaux est prêt pour venir nous fatiguer. Elle écrit, bonjour monsieur, avec toute la politesse qu'il vaut. On peut vous avoir reçu, point d'interrogation. Elle a mis petit émoticône de reçu. Des gens, ils ne comprennent pas français. Donc, elle a mis le reçu pour qu'ils puissent savoir que c'est ça. Il ne faut pas, il va penser autre chose. Ce plat coûte 3000 francs. Donc, tous les Dabali Express, c'est 4000 francs sur Glovo et Yango. C'est dans quel restaurant vous l'avez payé à 6000 francs? Eh oui, si pour vous, c'est du riz gras, nous, on l'appelle Tchep. Vous pouvez baptiser le plat comme vous le souhaitez. Il n'y a aucun mal à cela. Si le plat ne vous convient pas, rendez-vous là où vous l'avez acheté. On va vous rendre votre argent. Il n'y a même pas parlé dans ça. C'est tellement simple. Ah, tanti, il y a quoi? Là, tu veux nous transformer du genre, nous, on est devenus pasteurs, on est devenus prêtres. Nous, on baptise les plats maintenant. Du genre, si ça ne te plaît pas, rebaptise-le. Quand tu vas le rebaptiser, son goût va changer. Que si ça ne te plaît pas, reviens. Où tu as acheté, on va te donner ton argent. Parce que nous, c'est nous, on a géré tous les stades pendant la CAN. On a eu des milliards et ce n'est pas tes 6 000 francs qui ont nous fait quelque chose. C'est tellement simple. Voilà. Tanti, on ne fait pas ça. Hein. C'est 5 francs qui devient milliard. Hein. Vous connaissez Ouvaro. Ah. Donc, qui a écrit ça? Tonton dit, hein? Non, c'est ça. Vraiment, ça va chauffer maintenant. Il a pris son téléphone, il dit trop c'est trop. La femme là, elle a trop foutaise. Vraiment, elle a foutaise. Pourquoi elle peut me parler comme ça? Hein? Est-ce que moi, je suis à 6000 francs près et puis elle va venir me parler comme ça? Donc, c'est ainsi même qu'il prenait son téléphone et déposait, il faisait un live. Voilà. Ça va, Dabali Express.
Vous m'expliquez. Je ne sais pas, la sensation. J'ai connu du chip rouge. On m'envoie du riz gras avec du poisson. Ça, c'est du chip. Ça, c'est du chip. Ça, c'est du chip. Avec petit pois, avec chose, ça, c'est du chip. Ce plat qui est là, là, c'est du chip. Ce plat là, c'est du chip. C'est pas du chip rouge qui est là, madame. C'est pas du chip rouge qui est là. Quand vous partez manger du chip, c'est quand vous êtes en ville que vous, on vous dit c'est du chip. Moi, je suis un garçon, je sais que ce n'est pas du chip rouge. Parce que j'ai pour habitude de manger du chip. Ça, ce n'est pas du chip. Ça, c'est du riz gras. Ça, ma maman faisait pour moi qui partait à l'école. À 14h, faire riz gras pour me donner. Ça, c'est pas du chip. Dites à vos spécialistes en chip que ça, ce n'est pas du chip. Mais comme ça, c'est une foutaise là. Je voulais juste que vous sachiez que c'est pas du chip qui est là. Mais toi, à Cuba, Angola, tu racontes la merde. Il y a de moi cette plaisantine là. Attends, il y a mon thé, m'occuper de toi. Il y a moi cette dame là, tu racontes la merde. Tu peux pas de la merde pour donner aux gens. Tu as dit à cause de riz gras. Tu sais pas préparer là, tu arrêtes de préparer. Aïe. Oui, il en parla vraiment beaucoup. Quand la femme a vu le live, elle dit aïe. Mais, ouais, à cause de riz gras, tu fais live. Ce n'est plus chep, mais elle a dit riz gras. En plein dimanche, on t'a obligé, on t'a mis au couteau sous la gorge pour acheter le plat. Tu sais préparer, va préparer. Donc, toi, tu sais que c'est riz gras, c'est pas chep divin. Tu es dansé, non, on dansé sur Facebook aujourd'hui. Tu as venu, Waley, vois son commentaire. Elle dit, Waley, à cause de riz gras, tu fais live en plein dimanche, on t'a obligé, on t'a mis le couteau sur la gorge pour acheter le plat. Tu sais préparer, va préparer. Mais le pire même, c'est ça. Mais toi, tu es femme, tu ne sais pas préparer. Un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Bah, les êtres humains aussi. Vous voulez toujours dénigrer les gens. Pour riz gras. C'est pas, ils n'ont pas nourriture. Riz gras, c'est pas nourriture. On est sénégalais. On fait le chef ici. C'est un chef. On appelle c'est le chef qui est révisité. On fait notre chef. Hey, le jeune homme, c'est tellement qu'il est énervé. M'a mis casse-couille quand sa voix même est sortie. On dirait pour les goûts à out. Mais qu'est-ce que c'est? Si tu n'aimes pas, tu manges pas le chef, tu vas aller à Tranche Ville, tu vas aller mettre le chef là-bas. Il y a des gens qui aiment ça, qui adorent ça, qui mangent tous les jours, on fait le chef ici, tous les jours ça marche. Ça, tu n'aimes pas. Faut pas manger, c'est pas un problème. Et puis, poisson ça là, des choses comme on appelle ça. Choupia, c'est pas bien, mais retourne là-bas encore. On peut commenter comme ça. En tout cas, c'était chic. Aïe! Non, c'est ainsi même que, en tout cas, Tanti, c'est pas laissé faire. Les gens sont venus, il y a des gens qui prenaient des fausses de Tanti, il y a des gens qui prenaient des fausses de Tonton. On dit oui, faut pas la laisser, c'est comme ça. Même les gens ici, ils aiment parler mal aux gens ici. On paye les choses, on les rend riches, mais c'est eux tous les jours qui viennent nous dire nos deux mots de même famille. Aujourd'hui, là, tu as bien fait, faut pas laisser. Il y a des gens aussi qui veulent dire que lui, là, même la main, c'est pas. Pourquoi il fait ça hein? Que c'est vraiment méchant. Que ça, là, Dieu fait tomber le business de la femme. Tout, nanana. En tout cas, il y avait deux groupes. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Mais en tout cas, moi j'ai un problème avec les gens qui prennent les photos de Dabali Express, qui mettent ça sur le Glovo ou bien sur le quoi là. Hey, vous qui prenez les photos. Non, hein. Quand vous faites les photos, là, vous voyez le riz là est comme ça. Un peu de légumes, un peu de quoi, les cornichons, les il ne sait plus. Quand vous envoyez aux gens là, c'est riz, on dirait je ne sais plus. Hein, j'aime pas ça. On doit lui dire les deux mots de même famille à la personne qui publie là. Soit, vous voyez photo, le monsieur a publié là, vous faites photo comme ça, vous dites, vous voyez le riz qu'on vend, et le petit pois à côté. Là, on sait que c'est ça là qui est venu. Mais quand vous mettez ça dans l'assiette, et puis c'est bien rond, rond, tu vois, les choses sont dorées, les trucs bien placés. Quand on vient, c'est mélangé. Après, vous allez dire que c'est les livreurs. Normalement, tantôt, on dit que le client est roi. Vraiment, là, je ne vois pas affaire de client roi. Hein. Qu'il ait tort, qu'il ait raison. Tu essaies de calmer le jeu. C'est pas comme si tu es une employée, c'est toi-même la patronne. Normalement, tu dis, ah monsieur, vraiment, on est désolé. En tout cas, tu mets dans l'amusement que venez, nous, on va ajouter 3 cuisses dessus pour toi. Nous, on allait te sortir, on t'applaudit. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand c'est mauvais, nous, les Ivoiriens, on cache pas. On dit, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Aïe, bah, tu veux pas venir, tu as du genre, tu es trop arrivé, tu as te gonflé sur nous. Tu as te gonflé sur nous. En tant que nous, on paye. C'est nous, on donne l'argent. Et puis toi, tu vas assigner. Nous, on est dans le soleil. Mais qu'est-ce que c'est?
Je dis aux gens qui vendent sur les réseaux là, soyez courtois. On voit beaucoup de gens ici sur les réseaux qui font, on dirait, on s'en prend les marchandises à cadeau. Hein? C'est comme si on prend les marchandises à cadeau. On paye, c'est notre argent. On allait faire comme ça pour venir vous donner. Donc même si on a tort, même si on a raison là, dites ah vraiment on est désolé, ça a plus se reproduire. Vous essayez d'arranger vraiment. La personne dit ah en tout cas j'ai eu un petit problème mais ils ont arrangé actuellement là. Ah en tout cas c'est chic. Mais ah même si on dit, même si on dit.